Depuis début décembre 2020, l'eau est cotée en bourse à Wall Street, comme n'importe quel autre bien, comme le pétrole ou l'or. Cela signifie qu'à partir de maintenant, les marchés financiers, les propriétaires du monde, cessent de cacher leurs intentions et vont s'approprier toute l'eau qu'ils peuvent et spéculer sur l'eau, comme ils le font avec tout le reste. Les grandes multinationales ont besoin d'eau pour continuer à s'enrichir en contaminant des milliards de litres d'eau avec plus de 600 produits chimiques, comme cela se produit avec la fracturation hydraulique, le fracking, ou les contaminer avec du cyanure, comme pour la méga-extraction minière. Et ils ont l'intention de stocker l'eau dans de grands barrages pour l'utiliser à leur convenance, laissant les cours des rivières presque vides et obligeant les populations riveraines à émigrer vers les grandes villes. Mais on ne peut pas laisser faire ça. L'eau n'appartient à personne. Elle ne peut appartenir à personne, pas même aux êtres humains, par rapport aux autres espèces. Car l'eau est un cadeau de notre mère, la Terre, pour tout le monde. Pour absolument toutes ses filles et fils, de toutes les espèces. Essayer de s'approprier l'eau, surtout quand cela est fait pour un bénéfice économique fallacieux, c'est aller contre la nature. Le soleil t'a donné sa lumière gratuitement. Qui es-tu pour la confisquer à qui que ce soit, qu'il soit mesquin ou mauvais? La terre t'a donné son eau gratuitement. Et le cours inéluctable des rivières indique que l'eau doit continuer à parcourir son chemin pour aller nourrir d'autres terres et d'autres êtres. Et toi, entrepreneur super riche du Nord global, qui es-tu pour t'approprier un bien commun? Un bien commun de toute vie sur Terre, qui ne t'appartient pas. L'eau est un droit humain, pas une marchandise de Wall Street. Et nous ne nous laisserons pas transformer en peuple de sacrifice. 22 mars, mobilisation mondiale pour la défense de l'eau. Passons des paroles aux actes.